Vous voilà de retour. Vous êtes parti longtemps cette fois-ci. Alors, l'avez-vous trouvé ? Qu'avez-vous ressenti ? En approchant de l'urne, je veux dire. À vos yeux, peut-être, mais pour des milliers de personnes, l'urne représente bien plus que cela. Peut-être la chanterie ne taxera-t-elle plus mes travaux de sacrilège à présent. Il faut organiser une expédition. L'histoire de cet endroit est si riche, elle doit être étudiée, et les pèlerins devraient pouvoir venir se recueillir devant l'urne. Mais l'urne appartient aux fidèles, nous ne pouvons pas les en priver. Non, nous ne pouvons garder cela pour nous. Je suis d'accord. Qui sommes-nous pour décider de garder l'urne pour nous seuls? Nous ne pouvons pas laisser le premier venu se servir dans l'urne. Une fois vide, elle ne se remplira pas toute seule, que je sache. Oui, partagez-la. Transmettez la parole d'Andraste et renforcez le pouvoir de la chanterie. Est-ce donc cela que vous voulez? Si vous voulez que je garde le silence, il faudra me faire taire. Vous êtes fou ? Pourquoi avez-vous fait cela ? Je m'y mets ! J'y vais. Vous revoilà. Eh bien, quelle nouvelle ? Vraiment ? C'est prodigieux ! Allons sans tarder au chevet d'Imone et voyons si elle a les propriétés curatives qu'on lui prête. Où suis-je ? Du calme, mon frère. Tu as séjourné longtemps aux portes de la mort. Tu ne te souviens de rien ? Tigan ? Que fais-tu ici ? Où est Isolde ? Je suis là, mon époux. Et Connor ? Où est mon fils ? Mon petit, où est-il ? Il est en vie. Mais nombre d'entre nous sont morts. Bien des choses se sont passées, mon époux. Mort ? Alors, ce n'était pas un rêve. Il s'est passé bien des choses depuis que le mal t'a étreint, mon frère. Certaines te seront difficiles à entendre. Alors parle. Ne me cache rien, surtout.
Tout cela est très troublant. Il reste fort à faire, j'en conviens. Mais je dois d'abord remercier ceux qui m'ont apporté leur aide. Garde des ombres, vous avez non seulement sauvé ma vie, mais aussi protégé ma famille. Je vous suis redevable. Me permettrez-vous de vous offrir une récompense pour vos services ? Dans ce cas, je vous déclare, vous et tous vos compagnons, champions de Golfalois. Vous serez toujours les bienvenus entre ces murs. Quant à vous, garde des ombres, je vous offre ce bouclier. Il est d'une facture que l'on réserve d'ordinaire à la fine fleur de nos chevaliers. Je suis d'accord. Qui sait comment réagira Loghain à ton rétablissement ? Loghain attise la guerre civile, alors même que les engeances sont à nos portes. Je le connais de longue date. C'est un homme intelligent, qui n'a jamais convoité le pouvoir. J'étais à ses côtés lorsqu'il a annoncé son accession au trône, Imon. Il est dévoré par l'ambition, cela crève les yeux. C'est vrai. Suffisamment pour tuer Kaylan, attenter à ma vie et dévaster mes terres. Je ne sais ce qui lui est arrivé, mais il faut arrêter Loghain. Par ailleurs, nous pouvons difficilement nous permettre de mener cette guerre à terme. Vous ne vous en tireriez pas forcément à bon compte. Les engeances ont massacré les forces de Kaylan, mais n'ont pu vaincre celles de Loghain. Nous ne pouvons égaler sa puissance. Nous n'avons guère le temps de mener campagne contre lui. Pour que Ferelden ait la moindre chance de repousser les engeances, l'un devra se rendre, lui ou nous. Loin s'en faut. Loghain est responsable de crimes impardonnables que j'entends bien lui faire payer. Mais nous devons employer nos armées contre les engeances et non dans des querelles intestines. Je vais ébruiter les trahisons de Loghain contre nous et contre le roi. Mais ce ne sera qu'une allégation infondée. Ce sera suffisant pour semer le doute parmi ses alliés, mais il nous faut aussi jeter à notre ennemi un gant qu'il sera forcé de relever. Nous avons besoin d'un prétendant au trône issu d'une lignée plus directe que la fille de Loghain, la reine. Est-ce à Alistair que tu penses, mon frère ? En es-tu certain ? Je ne proposerais pas pareille solution si nous avions une autre possibilité. Mais l'impensable s'est produit. Je suis là, dois-je vous le rappeler ? Tigen et moi-même n'avons qu'un droit d'accession, ce qui nous relègue au rang des opportunistes comme Loghain. Alistair, lui, a un droit de succession. Et moi ? Personne n'a cure de ce que je veux ? Vous avez une responsabilité, Alistair. Sans vous, Loghain aura gagné, et je devrais me ranger à ses côtés pour le salut de Ferelden. Est-ce là ce que vous voulez ? Mais... non, monseigneur. Je ne vois qu'une seule façon de procéder. Organiser un conclave pour convoquer le banc et l'arrière-banc de la noblesse féreldienne à Denérim. Alors la nation choisira son régent, quel qu'il soit. C'est ensuite seulement que nous pourrons affronter notre véritable ennemi. Qu'en dites-vous, mon ami ? Je ne veux pas aller plus loin sans votre approbation. Pourquoi croyez-vous qu'il m'a fait empoisonner ? Il voulait m'éliminer sans avoir à se salir les mains. Si je convoque un conclave, il ne pourra plus attaquer Golfalois sous peine de voir ses alliés tourner bride. Il aurait sans doute préféré que je meure empoisonné. Et sans l'irruption de ce démon, c'est précisément ce qui se serait passé. À moins de pousser certains de ses alliés à la défection, c'est peu probable. Notre armée ne peut lui tenir tête. En tant que garde des ombres, vous pouvez réunir des alliés, mais c'est à combattre les engeances que nous devons les employer, non à les décimer dans des rivalités intestines. Très bien. Je vais faire passer le mot. Avant de continuer toutefois, il nous reste à évoquer le sort de ce mage. Le tuteur de mon fils.
Il est toujours en vie, si je ne m'abuse. En effet, il est dans le donjon, mon frère. Qu'on l'amène ici, Tegan. Je souhaite lui parler. Johan, vos actes sont connus de tous. Vous avez tenté de m'assassiner et de mettre en branle une succession d'événements qui ont failli détruire tout ce à quoi je tenais. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Rien, monseigneur, hormis vous présenter mes plus sincères excuses. Je n'attends aucune pitié pour mes actes. Je vois. Garde des ombres, avez-vous quelque chose à dire pour la défense de Johan ? Vraiment ? C'est inattendu. Quel serait votre verdict ? En tant que victime, ma capacité à rendre la justice est biaisée. Alors, nous en avons terminé. Johan, vous êtes condamné à mort. Puisse le Créateur vous témoigner plus de pitié que nous. Merci, Monseigneur. Sur ce, revenons-en au conclave. Si vous souhaitez continuer à négocier les traités, je peux retarder notre départ pour Denerim. Vous n'en aurez peut-être plus l'occasion, une fois le conclave réuni. Je préférerais éviter d'offrir à Loghain un temps de réflexion, mais le choix vous incombe. Je n'irai pas sans vous à Denerim. Parfait. J'en informe mes serviteurs. En route donc, et que le Créateur nous garde. Jadis, la cité du roi Kalenhad est terre natale d'Andraste. Denerim est l'âme de Ferelden. Une ville aussi tenace qu'un Mabari, une alliée dont on courtise les faveurs. Si nous déjouons Loghain ici, tout le royaume se ralliera à nous. En réunissant le conclave, j'ai frappé le premier. Pour l'instant, nous avons l'avantage. Loghain n'aura d'autre choix que de se montrer, pour s'opposer à nous sans détour. Je ne doute pas un instant qu'il ripostera. La seule question est... quand ? Loghain, je suis honoré que notre estimé régent daigne m'accueillir en personne. Comment ne pas souhaiter la bienvenue à un homme si éminent qu'il a dépêché tous les seigneurs de Ferelden loin de leur terre, alors même que l'enclin gronde ? La mort de Kaelan nous oblige à lui choisir un successeur. Pour mener Ferelden contre les engeances. Ferelden a un souverain puissant en la personne de la reine. Quant aux armées, elles sont sous mon commandement. Ah, le jeune garde des ombres. Je pensais bien que nous nous reverrions. Toutes mes condoléances pour ce qu'il est advenu de votre ordre. Je me désole qu'ils aient choisi un tel moment pour se retourner contre Ferelden. Vous êtes ici en ma cité, un endroit qui ne tolère ni les langues trop déliées, ni les propos séditieux. La rumeur prétend que vous êtes ressorti grandement affaibli de votre terrible maladie, Imon. Trop affaibli pour gouverner Ferelden. Ma maladie ? Appelez donc votre poison par son nom. Ou bien craignez-vous un revirement du conclave ? Nous ne sommes pas tous aussi déloyaux que vous, et ces flagorneurs à vos basques. La cour a bien changé en votre absence, Imon. Ne reconnaissez-vous pas Rendon Howe, Jarl d'Amarantine et Tiern de Haute-Sim ? Ainsi que Jarl effectif de Denerim, compte tenu du triste sort d'Urien à Ostagar. Notre régent s'est montré très... généreux envers ses féaux. On
n'interrompt pas ses supérieurs, malotru. Suffit, Cotrien. Nous y reviendrons en temps voulu. J'avais espéré vous détourner de votre projet insensé. Le roi est mort, et notre royaume assiégé. Le peuple a peur, Imon. Plus que jamais, nous devons être unis pour résister à cette crise. Votre propre sœur, la reine Gwendoline, s'est battue farouchement pour le bien de Ferelden. Cherchez-vous donc à dénouer le fil qu'elle a tissé? Votre désir égoïste d'asseoir votre neveu sur le trône divise notre nation et affaiblit notre effort face à l'enclin. Kaylan avait foi en la garde des ombres, et regardez où sa confiance aveugle l'a menée. Soyons réalistes, voulez-vous? Parlons de faits tangibles, et non de fables éculées! Je ne peux pas vous pardonner, Loghain. Le Créateur le saura peut-être, mais pas moi. Notre peuple mérite un roi de la lignée des Teirin. C'est Alistair qui doit nous mener à la victoire pour cet enclin. C'est tout ce que j'ai à faire. Du tout cuit. L'Empereur d'Orlaïs, lui aussi, doutait de ma victoire. Je ne vous témoignerai pas davantage de pitié qu'à lui. Je suis prêt à tout pour ma patrie. Voilà qui nous a fouetté le sang. Je ne m'attendais pas à ce que Loghain se montre de si tôt. La convocation du conclave n'est qu'un début. Nous devons à présent faire en sorte que chaque noble puisse constater la duplicité de Loghain. Ce ne sera pas une mince affaire. Il nous faut des yeux et des oreilles dans la cité. Loghain y sévit déjà depuis plusieurs mois. C'est ici que ces intrigues ont trouvé leur source. Le plus tôt nous les aurons mises au jour, le plus vite nous pourrons les tourner à notre avantage. Allez donc fureter en ville, et voyez ce qu'il en sortira. Mieux encore, rencontrez les nobles assemblés pour le conclave, tâtez le terrain, découvrez combien d'entre eux appuieront notre cause. Lorsque vous serez disposés à parler stratégie, retrouvez-moi dans mes quartiers à l'étage. Nous échafauderons nos plans pour le conclave.